pour moi c'était un rêve de gamin. Elle est très bien équipée, sinon si je peux parler un petit peu d'intérieur. Bonjour à tous, donc Eric, propriétaire de l'Excalibur série 4 de 1981. Donc c'est un moteur Chevrolet. Je t'espère le jour ou la nuit. Je suis plus tendre qu'un agneau. Car j'ai compris et je t'aime trop fort. Comme elle était avant. Elle est toute équipée, toutes les options de l'époque, elle les a. Les deux roues de secours, les pare-chocs, le fameux Lion Peugeot, la malle arrière, et plein d'autres choses encore. C'était quelqu'un d'assez riche qui pouvait se payer des voitures comme ça. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci. Au fait, il y a deux ans, acheté il y a deux ans, on s'est mis en couleur de la Bretagne. Hein, mais bon, il est là, c'est le principal. Tu vois là. De Corse, qui est allé en Pologne pour les 10 ans du Mustang Club polonais, qui est allé. Garde à vous. Depuis la Normandie jusqu'ici, mais je suis content de vous voir. Voilà, je vous présente la Jeep Willys. Elle est de 44. Le châssis a été trouvé sur les plages d'Ouscream. Et puis après, le châssis est d'origine. Je l'ai fait remonter à l'identique et expertiser deux fois. Sur 100%, elle est à 95% américaine. Voilà, c'est un moteur Ford 2 litres 2, 4 cylindres. Voilà. C'est moi qui recherche ou pas? Non. Oui, donc nous vous présentons aujourd'hui une voiture 100% francilienne, puisque construite à Brie-Comte-Robert, donc pas très loin d'ici, rue du Coq Gaulois. Et cette auto a été construite à 27 exemplaires en 42-70. La couleur est d'origine, bien sûr elle a été refaite en 2000 quand j'ai retrouvé cette voiture. Vous la trouvez dans son jus. Elle est strictement d'origine. Arrêtez-vous! Je dis pas je pense, mais j'en suis sûre, pour toutes les manifestations
que nous organisions, que ce soit des associations ou la ville, le premier élément, je dirais, qui permet d'avoir du succès, c'est le beau temps. Et là, je dois dire qu'on est gâtés. Alors, même si se dire d'avoir ce temps-là un 1er octobre, c'est pas très rassurant, voilà, pour notre avenir et pour la planète. Mais en tout cas, aujourd'hui, on était vraiment ravis. Très, très belle organisation. On a la chance d'avoir un champ de Mars qui permet d'organiser des manifestations d'ampleur. Donc, les associations s'approprient cet espace et on en est très heureux parce que ça permet de faire beaucoup de choses en sécurité. C'est ça qui est important puisque maintenant, on a toujours cette vraie difficulté, que ce soit un président d'association ou la commune qui organise, on a les services de l'État qui sont toujours, et de sécurité, de force de l'ordre, qui sont toujours très attentifs à ce qu'on fait. Donc c'est parfois compliqué, mais c'est vrai que sur cet espace, ça permet d'avoir de belles manifestations. Ça demande un temps énorme, et c'est pour ça qu'au-delà du président, c'est bien évidemment tous les bénévoles qui sont à tes côtés pour préparer cette belle manifestation et un petit clin d'œil à Dolo, vous comprendrez tous, voilà. On sait ce que c'est d'accompagner, donc bravo, félicitations à toi. Donc je pense qu'on peut vraiment applaudir Pascal et toute l'association pour l'organisation de cette belle manifestation. Bien évidemment, tous tes partenaires, puisque même si la mairie est un des partenaires, c'est toujours important d'avoir aussi d'autres partenaires qui viennent donner un petit coup de main financier, on va le dire. Voilà, parfois un gros coup de main, mais je pense que c'est aussi ce qui montre la vitalité d'un territoire.